Alors, prenons une carte. Prenons une carte de France aux dimensions réelles. Pas aux dimensions pipotées par l'éducation nationale dans un but politique. Et nous pouvons aller comment constater sur cette carte de France qu'en effet, les principales villes de France sont alignées sur un axe est-ouest, un axe solaire, puisque le soleil se lève à l'est et roupille en Bretagne, et un axe druidique. Car la Gaule était un pays celtique, comme la Bretagne, et nous pouvons constater sur cette carte aux dimensions réelles que les principales villes de France sont bien alignées, et qu'on y retrouve bien Pontivy et Gamay-sur-Scorff, puisqu'on y trouve, suivez le curseur, Strasbourg, Paris, Rennes, Pontivy, Gamay-sur-Scorff et Brest. C'est bon ? On est convaincus ? Qu'est-ce qu'on perd comme temps ? Et donc, connaître cette importance des corps célestes dans l'imaginaire celtique, pré-arthurien pour les intellectuels, est un préalable indispensable à la compréhension de l'histoire que je vais vous narrer maintenant. Car vous n'êtes pas sans savoir maintenant qu'il y a deux sortes de Bretons, les Bretons du pays Vantin et les Bretons de Montparnasse. Ouais. Je ne veux pas ressortir une autre carte. Et c'est un Breton de Montparnasse qui part en camping avec un copain à lui, un cousin de Pontivy. Ils vont faire du camping à Carnac, camping des Méniens. Très bon camping. Piscine, toboggan, tomber dans l'eau. Bungalow pour draguer les Hollandaises, tout ce qu'il faut. Et ils sont en train de dormir en pleine nuit dans leur canadienne là. Et en pleine nuit, il y a le gars de Pontivy qui réveille le gars de Montparnasse et qui fait « Hé, 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 hé !» Et l'autre, il dit « Qu'est-ce que t'en penses, toi, quand tu vois toutes ces étoiles au-dessus de nous qui brillent dans la nuit? Cette myriade d'étoiles, mais qu'est-ce que t'en penses? Ça fait penser à quoi ?» Alors le gars de Montparnasse, il se réveille, il fait « Ah, tu sais, c'est parce qu'ici, il n'y a pas toute la pollution lumineuse qu'il y a à Paris. » Donc t'as moins de contraste, mais à Paris, il y a autant d'étoiles, tu sais. Ah, le gars de Pontivy, il dit, oh, hein. Mais ça te fait penser quoi encore quand tu vois toutes les étoiles? Ah, le gars de Montparnasse, il est réveillé, hein. Il dit, bah, tu vois, quand tu vois toutes ces étoiles, tu te dis que c'est infini. Tu dis qu'on est peu de choses. Tu dis que c'est extraordinaire comment quelque chose qui existe peut être infini. Forcément, tu te poses des questions physiques, métaphysiques, c'est hallucinant. Le gars de Pontivy, oh, tu parles bien, toi, hein. Et ça te fait penser quoi encore quand tu vois toutes ces étoiles au-dessus de nous, la nuit? Et là, le gars de Montparnasse, il lâche tout. Il dit, tu vois, petit, jeune rural, quand tu vois toutes ces étoiles au-dessus de nous, tu te demandes d'où ça vient. Si c'est infini dans l'espace et dans le temps, tu te demandes comment ça a été créé. Et forcément, fatalement, tu te poses la question de l'existence de Dieu. Alors le gars de Pontivy, il est ici. Et le gars de Montparnasse lui dit, et toi, jeune rural, tu as sûrement une idée, ça te fait penser à quoi quand tu vois toutes ces étoiles? Et le mec de Pontivy, il dit, moi, quand je vois toutes ces étoiles au-dessus de nous, ça me fait penser, connard, on nous a piqué la toile de tente. Le morceau qui vient, c'est un morceau du pays Vantin, il s'appelle Jiboulé Jiboulé. Et il a besoin d'un soutien palmaire. Voire même vocal, si vous vous sentez sur le refrain, vous allez voir, les paroles sont compliquées. Thank you.
fille de la meunière qui dansait avec les gars. Elle a perdu ses jarretières, elle ne l'est pas. Djiboulé, djiboulé, on dit qu'elle est malade. Djiboulé, djiboulé, on dit qu'elle en mourra. Elle a perdu ses jarretières ne connaît pas. Elle est tombée en arrière quand elle a vu les dégâts. Djiboulé, djiboulé, on dit qu'elle est malade. Djiboulé, djiboulé, on dit qu'elle en mourra. Ses jarretières ne tenaient pas. Du boulot, du boulot, on dit qu'elle est malade. Du boulot, du boulot, on dit qu'elle en mourra. Elle a perdu ses jarretières ne tenaient pas. Elle est tombée en arrière quand elle a vu les gars. Du boulot, du boulot, on dit qu'elle est malade. Du boulot, du boulot, on dit qu'elle en mourra. Du boulot, du boulot. Elle est tombée en arrière quand elle a vu les dégâts. On y a vu son derrière. Ça aurait pu. Ça aurait été mieux, mais. Non, c'était pas si propre que ça. Djiboulé, djiboulé, on dit qu'elle est malade. Djiboulé, djiboulé, vous pouvez revenir.